Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale lessive. J'ai tiré du livre Trucs et Astuces d'autrefois de la marque Star Wars la recette de la lessive. Alors c'est assez simple à faire, donc ne vous prenez pas la tête, c'est ce deuxième petit DIY spécial salle de bain. Et vous avez été nombreux à me dire que vous voulez tester aussi la lessive maison, donc je vous la conseille, c'est vraiment très simple. Pour cela, il vous faudra des flocons de savon de Marseille en copeaux en fait, pour pouvoir faire pas mal de lavage. Il vous en faut pas beaucoup, mais voilà, moi je l'ai acheté toujours de la marque Star Wars. Je suis pas du tout sponsorisée par cette marque, mais j'aime beaucoup, j'ai trouvé tout chez Audio, donc c'était pratique. Du savon noir à l'eucalyptus si vous avez envie d'un bon lavage, mais c'est pas une option, c'est en option en fait, c'est pas obligatoire. Il vous faudra du bicarbonate de soude aussi. Alors moi je l'ai acheté de la marque Star Wars, mais c'est pareil, vous n'êtes pas obligé, vous en trouvez dans le commerce et ça sert pour plein de choses ce petit truc là. Et pour finir, si je ne me trompe pas, il nous faudra du vinaigre d'alcool, du vinaigre blanc. Là, c'est de la sous-marque, parce que voilà, ça coûte rien du tout. Et un bidon assez solide. Moi, je l'ai eu par le magasin Zodio qui me l'a offert, mais vous pouvez récupérer vos anciens bidons de lessive pour faire ça. Un entonnoir, si besoin, c'est en option aussi, c'est pas obligatoire, mais ça peut être pratique. Et une grosse cuillère pour faire les dosages. On commence tout de suite par mettre à peu près autour de 40 g de savon de Marseille, soit à peu près 7 à 8 cuillères à soupe dans votre pot, dans votre pot à lessive en fait. Je mets quand même des cuillères assez généreuses, hein, vous avez vu. Et voilà, c'est ça qui fait vraiment le pouvoir lavant de votre lessive. Le vinaigre d'alcool va vraiment être là aussi pour désinfecter un peu le linge. Et le savon noir aussi pour donner vraiment une touche de propreté en plus. Voilà, tout mon savon de Marseille est en bas. Je rajoute 1 litre d'eau. Alors c'est de l'eau chaude, mais mettez pas trop chaud, sinon après vous allez avoir du mal à secouer votre bidon. Donc mettez de l'eau tiède dans l'idéal. Alors je vous conseille pour faire 1 litre de lessive d'avoir un bidon à peu près d'un litre 5, 2 litres, parce que la lessive va gonfler un petit peu. Je ferme et je secoue, je secoue. Ensuite, je vais venir mettre une cuillère à soupe de vinaigre blanc, tout simplement. Et une cuillère à soupe de savon noir et de bicarbonate de soude. À chaque fois, une cuillère à soupe. Il ne vous faut pas vraiment une grande quantité, hein, vous avez pu constater. Donc après le bicarbonate, je rajoute mon savon noir pour un pouvoir lavant. Mais pareil, ça c'est une option qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez juste faire une lessive avec du savon de Marseille en copeaux, du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Le savon noir est en option, tout comme les huiles essentielles que je vais vous montrer après, qui sont aussi en option si vous voulez une odeur un petit peu plus prononcée de votre lessive. Quand j'ai fini tout ça, je secoue mon bidon pour bien mélanger le savon de Marseille, l'eau et les autres petits ingrédients, et j'ouvre, je resecoue, etc. Et au bout de quelques temps, en fait, ma lessive va se solidifier. Pas tout de suite, mais quand l'eau va refroidir, elle va se solidifier. Comme je vous le disais, vous pouvez faire ça aussi dans des bidons que vous avez récupérés de mini-doux ou de tout ce que vous avez, et vous pouvez aussi rajouter des petites huiles essentielles en option pour plus d'odeur. Donc moi voilà, j'en ai réalisé 3, donc 3 litres de lessive en à peine 10 minutes. Et il y en a qu'un que j'ai fait avec des huiles essentielles pour les vêtements des parents, de papa surtout, mais pas pour les enfants, j'évite.
Les autres sont vraiment sans huiles essentielles. Alors les bidons comme ça, transparents, ils sont moins sympas que les bidons de chez Starworks, hein, et qui sont beaucoup plus solides. Et voilà. Au bout d'un certain temps, vous verrez que ça se solidifie, et puis après, vous avez juste à mélanger avant de mettre dans votre machine à laver. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, mettez des pouces en l'air si ça vous plaît, et on se retrouve très très bientôt pour d'autres DIY. Bisous!